aujourd'hui je vous emmène en plein cœur du village et comme tout village qui se respecte, eh bien il y a des animations et du spectacle. Ça passe bien, village des jeux ? Oui, plutôt bien, oui. Qu'est-ce que vous y avez fait de beau ? On a regardé quelques vidéos sur les autopsies et puis comment élever les chevaux, etc. Les autopsies ? Oui, les autopsies, les fins de vie des chevaux de compétition. C'est tout triste, ça, non ? Bah non, c'est intéressant aussi. J'ai été voir des spectacles, j'ai acheté dans des boutiques, voilà, j'ai mangé un petit peu de tout, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour passer une bonne journée. Ouais, nickel. Vous êtes venu voir quoi en priorité ? Pourquoi vous êtes venu ? On est venu voir Cool and the Gang. Et les filles aussi, elles sont fans de Cool and the Gang. Ouais. Non, les chevaux, c'est pas trop un truc en fait. Vous êtes le chef de la Batucada ? Oui, c'est moi. On vous entend depuis l'autre bout du village en fait. Ah bah c'est fait pour. C'est ça le principe de la Batucada. Et vous reprenez quand là ? On rejoue à 6h. Ça se passe bien, village des jeux ? Ah bah nickel, c'est bien. On est super contents de l'organisation, de l'ambiance, de tout. Les gens sont très réactifs et nous on est très contents de jouer devant des gens qui sourient, ça fait du bien. Et les chevaux, ils sont contents ? Les chevaux, ils disent rien. On les évite surtout. Eh ben merci et puis bonne continuation à vous et à tout à l'heure 18h hein, pour la Batucada. Voilà, en parlant d'animation, eh bien, il y a les Connect Hippo Mobile. Alors voilà, ils peuvent ramasser les déchets. Il y a le ramassage scolaire aussi dans la vie de tous les jours. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, eh bien, ils ramassent la présentatrice des Vices et Jeux. Ah ! Pour les coulisses des jeux ! Alors il y a des chevaux en vacances, et là c'est les chevaux au travail, hein. Sylvie Sagne, bonjour. Alors derrière nous, des démonstrations de chevaux de travail, c'est ça ? Voilà, on va essayer de montrer au public l'intérêt de remettre des chevaux en ville pour tout un tas d'activités. Donc là, vous voyez un certain nombre de choses derrière vous, on a de la collecte de déchets, on a de l'arrosage, on a du transport de personnes, et on a du herçage, de la tonte, en fait différentes choses. En plus, ils sont très bons pour l'environnement, ils sont économiquement très intéressants, donc voilà pourquoi ne pas remettre du cheval en ville. Alors, vous me disiez tout à l'heure que la France, eh bien, c'est bon élève hein, en hippomobile. Alors, la France est leader européen en hippomobile, puisqu'on a plus de 300 villes en France qui travaillent avec des chevaux et qui font vraiment de tout, jusqu'à l'hippobus qui emmène les gens en transport scolaire. Tous les gamins adorent ça. Et au village, eh bien, il y a des animations pour les plus grands, les plus petits ou les grands enfants comme moi. Alors là, avec l'adjudant en chef, Plaignier, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes maréchal ferrant, c'est ça ? C'est un métier qui existe encore ? Oui, tant qu'il y a des chevaux, il faut bien les ferrer pour qu'ils puissent marcher sur le sol dur. Et nous, à la Garde républicaine, on travaille beaucoup sur la route ou le pavé, donc ils sont forcément ferrés. Ça doit être chouette quand même, c'est prestigieux de ferrer justement les chevaux de la Garde républicaine. Tous les jours, on forge des fers et on ferre des chevaux. Donc comme il y a 480 chevaux et qu'on les ferre tous les 40 jours en moyenne, donc je vous laisse imaginer qu'il faut toujours faire des fers et tous les jours ferrer des chevaux. Et ça apporte vraiment chance alors, un fer d'à cheval ? Bah, j'ai eu de la chance quand même, ouais, pas mal. Ouais. Déjà de rentrer à la Garde républicaine, de faire une carrière de gradé et puis de faire un métier que j'aimais depuis 25 ans, donc j'ai de la chance. Bah, là, il ne faut rien faire cuire, là, parce que là, le lendemain, vous avez un cancer. Ah oui, d'accord. Et voilà, comme promis, on retrouve nos amis de la Batucada. On vous attend très nombreux hein, au village durant ces 15 jours. À demain pour une nouvelle émission des coulisses des jeux dès midi.